Ne serait-ce pas un message envoyé du ciel? Envoyé du dieu de la mer? Nous allons tout de suite découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Bonsoir à tous, c'est Jolatte et William. Bonsoir. Bonsoir William. Bonsoir. Et souvenez-vous, juste après l'unboxing de chez OK, on est parti pour un petit unboxing de chez Woodbox cette fois-ci. Mais nous n'avons pas une, mais deux Woodbox à vous présenter. On va tout de suite voir ça. N'oubliez pas, vous avez un concours dans la description pour gagner une Woodbox. Et ouais, ce mois-ci, on vous fait gagner une Woodbox. Ça fait plaisir. Vous avez un petit lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve tout de suite pour l'unboxing. Allez, c'est parti! Unboxing surprise! Roulement de tambour, s'il vous plaît! Voilà! Allez, unboxing surprise! Donc, ce mois-ci, les gens, alors je suis très en retard, mais en fait, ils ont pas pu. Il y a eu des problèmes avec, avec les livraisons et tout le mois dernier. Ce mois-ci, je vous propose pas une Woodbox, mais deux Woodbox! Eh ouais, et il y en a une qui a gagné sur les deux. Parce que en fait, j'en ai reçu trois. Voilà, je sais pas si c'est une erreur de leur part ou si c'est parce qu'ils me trouvent sympa. J'opterais peut-être pour l'erreur. Non, ils me trouvent sympa, Woodbox, ils me trouvent sympa. Je suis sympa, je suis sympa. Ils me trouvent sympa, Woodbox. Voilà, du coup, celle-là, je l'ai reçue en deux exemplaires. Et je vous la fais gagner, voilà. On va découvrir tout de suite ce qu'il y a dans cette Woodbox. Je n'ai absolument pas mis le nez dedans. Donc, bien entendu, les petits livrets Woodbox, toujours. Alors ça, celle-là, ça va être sur le thème... on dirait que c'est un thème rétro gaming, William. Bah ouais, ça, je vois un truc là. Ouais. Nous avons une petite boîte Game Boy, voilà, juste ici. Une Game Boy dedans? Non, bah je pense pas, non, bah vu comment que c'est léger, je pense pas. Ah non, regarde, excellent, c'est une Game Boy, tu sais. Regarde, ça fait en 3D. Ah d'accord. Tu vois ou pas? Ouais, bien sûr, je vois. Essaye d'y montrer à la caméra s'ils vont voir. C'est pas une vraie Game Boy, les gens, hein. Voilà, si vous bougez, en fait, ça fait un truc en 3D avec Mario. Un petit objet collector, c'est super sympa. Pendant que William ouvre la Game Boy. Oh! Un carré anti-stress, Mario. On va tirer de tous les côtés, là. Attends, on ouvre pas tout, là. Un carré anti-stress, Mario. Je vous rappelle que cette Woodbox est à gagner. Voilà. Il y aura également un concours dans la description. En fait, il y aura deux concours. Par contre, ce concours, je vais peut-être le lancer une semaine après celui de OK. Il y aura le concours de chez OK et une semaine après, il y aura le concours pour gagner cette Woodbox. Ah, c'est une boîte. C'est une tirelire. Non. Une tirelire Game Boy. Une tirelire Game Boy en ferraille et tout. Putain, je suis resté 10 minutes pour faire une vidéo pour celle-là, mon gars. Elle déchire. On peut même jouer. Avec le petit carré de Mario anti-stress. Il est vraiment cool, quoi. C'est un carré Mario. Après le hand spinner pour déstresser. Après le hand spinner pour déstresser, le carré de Mario. C'est les enfants à l'école qui ont été. Bien entendu. Oh, il est sympa, le petit pins Woodbox. Ah ouais, c'est la Woodbox rétro gaming, en fait, ce mois-ci. Il est vraiment sympa. Voilà, il est comme ça. C'est une petite manette de Nintendo, en fait, tout simplement. De Super Nintendo. Mais en plus, ça, c'est tout Nintendo, là. Regarde, Game Boy. Ouais, Nintendo. C'est tout Nintendo, rétro gaming. Ouais. Alors ça, c'est quoi, ça? Et ça, c'est un truc de Chevalier du Zodiac. Ça, c'est les Chevaliers du Zodiac, mon vieux. Ouais, c'est une figurine. Ça doit être une figurine Chevalier du Zodiac. On va la sortir. Ah ouais, oh, elle est stylée. Oh bah tu sais quoi, c'est le plus stylé. Quoi. Ouais, c'est le plus stylé en plus. Celui avec le dragon, pour ceux qui connaissent. Ben c'est ça, si vous voulez bien la monter, William. Il y a un peu de montage. Et pour ceux qui reconnaissent la tête. C'est celui-là. Je peux le dire. C'est simple, c'est celui-là. Et c'est le plus beau. C'était la force du dragon, lui, là. Il est là. C'est celui-là. Ouais, franchement, il est stylé. C'est le meilleur. Voilà. Alors, bien entendu, nous avons un t-shirt. Ouh là là, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. Franchement, il est t-shirt Crash Bandicoot. Il est vraiment super beau. Hein. Stylé de ouf. Ouais, il est stylé de ouf. Bah ouais, ils ont fait ça vite maintenant. Il y a le nouveau Crash Bandicoot qui est sorti. Donc, forcément,
N'oubliez pas bien sûr que vous avez toujours un code de réduction dans la description pour la Woodbox. Donc ce mois-ci, en fait, ils m'ont dit qu'il n'était plus à 5€, mais il passait à 3€. Alors tout simplement, c'est parce qu'en fait, ils ont sorti des nouvelles box et ils ont eu besoin d'un financement et tout. J'ai pas trop bien compris, mais c'est ce qui explique le pourquoi du comment. Le code de réduction a baissé de 2€ en fait. Donc, petit t-shirt Crash Bandicoot. Oh, il est dingue, il est fou. Oh, il est bien, franchement. Ah, franchement, ah ouais. Il est bien, il est beau. Hein. Ah ouais, je dis oui, monsieur. Je dis oui, monsieur, il est beau. Vous avez cette image, elle est propre. Hein. Ouais, elle est vachement propre. Ouais. Hein. Ça se lave à l'envers. Hein. Ça se lave à l'envers, ça, ouais. Attention, ça se lave à l'envers. Hein. Ouais, ouais. Et bon, ouais, s'il vous plaît, William, si vous voulez bien en mettre dans la Woodbox, s'il vous plaît. Tout à fait, oui, j'ai jamais été cul. Nous allons passer à la deuxième Woodbox. N'oubliez pas que vous aurez un concours pour la Woodbox d'ici une semaine. Je le rappellerai certainement dans une vidéo. Je vais voir. N'oubliez pas de checker la description, des fois les commentaires, si je le rappelle pas. Mais il y aura un concours sur Twitter pour gagner la Woodbox. Alors je sais que tout le monde n'a pas Twitter. Des fois ils me disent oui, mais Jonathan n'a pas Twitter, on a Facebook. Le problème c'est que sur Facebook, je ne connais pas de site pour faire de tirage au sort. Si vous connaissez un bon site pour faire des tirages au sort sur Facebook, vous m'envoyez ça dans les commentaires ou quoi. Et il n'y a pas de souci, je ferai des concours également Facebook pour les prochains coups, pour ceux qui n'ont pas Twitter. Tout ceci étant dit, nous allons passer à la deuxième Woodbox. Alors, ça va être sur le thème des Pokémon, ça. Je pense, Anto. Je sais pas. Donc, nous avons les magazines Woodbox. Oh non, excellent. La main de la famille Adams, William. Ah, si oui. Tu veux bien la montrer à la caméra, William. Ah, oui. C'est la chose. C'est la chose. Voilà, la chose. Ouais, la chose. Nous avons un paquet de Mentos qui a déjà été ouvert. Ah oui. C'est toi? Oh putain, c'est toi qui l'as foutu dedans. Et t'es une bête, toi. Parce qu'en fait, non mais moi j'ai regardé ce qu'il y avait dedans en fait. Voilà, lui en fait il a regardé vite fait, mais moi je savais pas. En fait, j'avais rangé le paquet de Mentos. Ah d'accord. Pour Adèle. Bon bah donne-nous un petit Mentos. Allez, un petit Mentos. Ah, ils sont bons. Bon, rien à voir avec la Woodbox, surprise, voilà. J'en aura pas dedans. Je pensais qu'ils avaient mis un paquet de Mentos dedans. Non, c'est bon. Voilà, framboise, fraise. Ouais. Qu'est-ce qu'il est bon, mon dieu. Très bon. Voilà, donc tu n'avais pas gagné. Hein. Ensuite, nous avons un porte-clé Gizmo. Gremlins, il est vraiment stylé. Hein. Il déglingue. Il est vraiment stylé. Ah, hein. Ceux qui connaissent les Gremlins, c'est obligé de toute façon. C'est vieux, hein, les Gremlins. Ouais. Hein. C'est très vieux, mais vraiment. Très, très vieux, on était gamins, nous, quand on regardait ça. Des bons films. Hein. Ouais, il est bien. Hein. Mais donc, qu'est-ce qu'ils sont durs, les manteaux, ce cochon, mon vieux. J'en finis plus à le bouffer, ce machin. Et tu sais, ils ont quelques milliers de kilomètres. Ils ont quelques milliers de kilomètres. Vu ce beau soleil. Oh, regarde, il y a un bateau de croisière qui passe là-bas. Ah oui. Hein? Ah bah ça c'est des riches, ça. Des riches, ça, mon vieux. Ça c'est mon bateau, je l'aurais prêté. Ouais. Un bateau venu. Hein? Hé hey. Hein? C'est juste à l'heure que je l'ai loué, hein. Pas la journée, hein. Bien les manteaux. Bien les manteaux, ça. En train de me gaver, là. Nous avons. Alors là, par contre, je suis pas fan du tout. Je regarde pas. Eh ouais, il y en a qui regardent pas cette série. Il y a un truc Game of Thrones. Ouais, j'y connais absolument rien du tout, mon vieux. Mais alors que dalle. J'ai jamais regardé un seul épisode. Par contre, je sais que ça existe. Et tout le monde sait que ça existe. Tout le monde en parle. Moi, franchement, Game of Thrones, je sais pas ce qu'ils ont tous avec ça, mon vieux. Bah, je sais pas. J'en sais rien. En tout cas, écoutez, il y a un dragon de Game of Thrones. Il est là. Voilà. Mais il est stylé, non? Ouais, il est stylé. Bon, on dirait le dragon d'Harry Potter, mon vieux, je sais pas. Je sais même pas c'est quoi, c'est le boss du film, ça, j'en sais rien, mon vieux, je sais pas. Mais il est stylé, vraiment. Voilà. Personnellement, je regarde pas Game of Thrones. Il doit être pas, là. Vas-y, sors-le, cochon. Oh là là, il est stylé. Alors, je regarde pas Game of Thrones. Eh, c'est une dinguerie. Mais par contre, il est stylé. Ah, pour ceux qui aiment ça, moi, j'aime bien, par contre, la figurine. J'aime bien. Ouais, la figurine, elle est bien. Je suis pas fan du film, pas du tout. Enfin, de la série. Mais vraiment, la figurine, elle est vachement stylée. Elle est super stylée, la figurine. Nous avons une boîte Pokémon. Ah bah, je savais bien que j'avais vu un dessin de Pokémon là-dessus, mon vieux. C'est quoi, c'est un Tupperware? Il est stylé, franchement, le Tupperware Pokémon, là. Oh là là, mon dieu, seigneur. Il est cassé. Un petit Tupperware Pokémon. Et voilà. Oui. Hein, vous partez, vous avez envie de goûter, vous amenez votre 4 heures. Merde! Vous emmenez des gâteaux? Vous avez pas de poche. Oh putain! Et la briquette de lait, elle est là? Et la briquette de lait, mon vieux. Et bah voilà. Les cookies et tout, mon vieux. Voilà. T'as tout, un petit Tupperware Pokémon, regarde ça. Hein? Alors, franchement, ça déchire. Ok, d'accord. Elle est stylée, la petite boîte Pokémon. Et nous avons
bien entendu le t-shirt Woodbox. Donc celle-là, c'est celle du mois de juillet, celle-là. Un t-shirt Harry Potter. S'il vous plaît, Harry Potter, Harry Potter. Nous allons tout de suite déballer ça bien gentiment. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Expecto Patronum. Ce qui veut dire en Harry Potterien. En Harry Potterien. Expecto Patronum. Hein, il est bien, hein, franchement. Ah, mais il est stylé de ouf. Il est stylé, hein. Ah. Voilà. Alors, petit t-shirt Harry Potter. Patronum, c'est sûrement pour expulser son patron. Ouais, expulser son patron. Moi, je le vois comme ça. Voilà. Tu travailles, t'as un patron, tu l'expulses. Mais non, mais c'est dans le film, c'est quand il fait apparaître un cerf et tout le bordel, là, mon vieux. Ah, moi, je les ai tous vus, moi, les Harry Potter, moi. Qu'est-ce qu'il y a, William, là? Rien. Ça s'envole? Ah ouais, merde. N'oubliez pas, respectez la mer. Respectez la nature, respectez la mer, ne jetez rien. Ça, on a horreur de ça. J'ai tout déballé. Ah, et bien sûr, on n'a pas déballé le plus important, William. Quoi? Le dernier objet de la vidéo. Il y avait un plus important. Les pochettes étanches de chez OK, monsieur. Ben oui. Alors, pas de respect. Pas de respect, franchement, là. Les pochettes étanches de chez OK. J'ai un packaging de deux pochettes. En fait, ça, c'est pour ceux qui ont, par exemple, des portables qui sont pas étanches, des appareils photo. Ah ouais. Tu le mets dedans. C'est comme ça, en fait. Et tu le mets dans l'eau direct. Ouais, ouais, c'est comme ça, carrément. Regarde ça, ça déchire. Voilà, tu mets carrément... tu peux mettre dedans, tu mets tes papiers, ah ouais, ton portefeuille, carte bleue et tout. Franchement, il y a trop de sécurité. Il y a trop de sécurité. Il y a trois sécurités. Avant que... Trois sécurités. Il risque pas de prendre l'eau. Ah ouais. Petite sacoche de chez OK. Tu peux t'en servir comme sac à main, comme ça. Voilà. Ou alors comme une banane, tout simplement, tu l'accroches autour de la taille. Voilà. C'est la mode. C'est stylé. C'est OK. C'est plutôt cool. C'est OK, voilà. Allez. On coupe tout ça. Wow, putain. Attends. Oh là là. Attends, je vais juste tremper les pieds pour voir. Je vais tremper un pied. Je suis sûr qu'elle est bonne. Je suis sûr qu'elle est bonne. Regarde ça. Hey. Hey, franchement, une fois que t'es dedans, tu cailles. Non, franchement, une fois que t'es dedans, je suis sûr elle est bonne. C'est obligé. Non, ça va. Ça va, ça va. Allez, on cale tout ça, William, et puis on démarre le drone. Hein.